a un souci romanesque. Il a un souci de fiction évident. Je crois que toute sa, sa théologie ou sa pensée passe par le récit. Il fabule, mais au sens noble du terme, en quelque sorte. Il essaie, dans une espèce de jeu littéraire, ses idées de se mettre en scène, de mettre Dieu en scène, et ça peut aller très très loin. C'est un jeu blasphématoire, un petit peu à la manière dont Salam Orèche dit. Euh, joue avec les idées du, de l'islam et au grand scandale des, euh, du monde euh, religieux orthodoxe. Hein. Si on avait pris Blois au sérieux, ça, ça devrait être la même chose. Il mérite aussi le bûcher. Quoi, hein. Alors, s'il fallait résumer, on peut donner la, le résumé euh, de cette espèce de fiction théologique qu'il a construit, qui se résume à très peu de choses, au bout du compte. Hein. Je vais le citer lui-même, ce sera plus simple. S'il existe au monde un fait notoire, vérifié par l'expérience la plus rectiligne, c'est l'impossibilité d'assortir et d'atteler efficacement l'amour avec la sagesse. L'amour, c'est Jésus. Entre parenthèses, l'amour, c'est Jésus. La sagesse, c'est l'esprit. Il y a un conflit entre les deux. Les deux incompatibles chevaux de ton char funèbre s'entredévorent depuis toujours, ô identique humanité. Que celui qui peut comprendre comprenne, mais assurément, c'est là que se cache le secret de Dieu. Et un peu plus loin. Je sais trop combien doit paraître absurde, monstrueux et blasphématoire de supposer un antagonisme au sein même de la Trinité, une sorte d'impuissance divine, provisoirement concertée entre la miséricorde et la justice, en vue de quelque ineffable récupération de substance dilapidée par l'amour. Il y a tout un vocabulaire allégorique qui est celui de Blois. Euh, C'est une histoire qu'il raconte là qui est très résumée en deux lignes. Dieu donne son Fils par amour à l'humanité, c'est la miséricorde. L'humanité le refuse, c'est le 19e siècle si vous voulez, enfin c'est l'humanité en général, toute l'histoire, mais en particulier le XIXe siècle, et les contemporains de Blois. Hein. Et il n'y a plus qu'à attendre la justice. Et la justice, alors c'est un mystère qui va lier la, de façon absolument Imprévisible, c'est pour ça que Loi est un homme de l'inattendu. Il arrivera quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, enfin qui est fondamentalement à la fois euh, miséricorde et justice. Lettre à Octave Mirbeau, juin 1897. Je suis entré dans la vie littéraire à 38 ans, après une jeunesse effrayante et à la suite d'une catastrophe indicible qui m'avait précipité d'une existence exclusivement contemplative. J'y suis entré comme un élu disgracié entrerait dans un enfer de boue et de ténèbres, flagellé par le chérubin d'une nécessité implacable, Angelus Dominico et Eum. À la vue de mes hideux compagnons nouveaux, l'horreur m'est sortie par tous les bords. Comment se pourrait-il que mes tentatives littéraires eussent été autre chose que des sanglots ou des hurlements Une vie, une œuvre. Léon Blois. Observateur des plus grandes catastrophes, Léon Blois, né en 1846, mort en 1917, s'est intéressé à son temps pour chercher inlassablement à y déceler des signes de l'apocalypse qui l'attendait. Sur le plan littéraire, L'auteur du désespéré, du pèlerin de l'absolu, qui prétend déporter sur sa figure ses propres livres, s'est placé résolument à l'écart des courants contemporains. Il n'écrivait que pour Dieu. En dépit de ses revendications d'anachronisme, Léon Blois reste cependant un écrivain représentatif de son époque, d'une spiritualité intransigeante et inquiète une profonde intelligence du symbole. un imaginaire violent, tourmenté, habite un auteur trop longtemps rangé sous la rubrique des pamphlétaires catholiques et dont il faut aujourd'hui redécouvrir la vie et la prose baroque. récemment, un colloque international, le premier, organisé en france, a permis de mesurer la postérité du mendiant ingrat et d'évaluer sa situation actuelle dans les lettres. Les universités de Paris, de Grenoble, de Jérusalem, de Genève, de Namur, de Lublin, y étaient présentes. Elles ont mis en évidence les aspects de son œuvre sur lesquels se polarise désormais l'attention. Comment expliquez-vous ce retour à Léon Blois, Bernard Sarrazin Je pense qu'il ne s'agit pas véritablement d'un retour, parce que Léon Blois a toujours eu son petit lot de lecteurs, en dépit de la conspiration du silence dont il a dit et avoir souffert et dont il a réellement souffert. Et parce que Léon Blois a toujours représenté, dans l'histoire des idées religieuses, social, politique, culturel, disons très largement, hein, a toujours représenté une une position qui intrigue, qui qui est significative dans un monde euh, qui est en train de se désectoriser, qui, qui enfin le monde de la mort de Dieu pour parler très très simplement quoi. Hein. Il a fabulé sur euh, la Bible de façon prodigieuse. Hein. C'est un, une sorte de fable théologique qu'il a monté. De briquet de broc avec toutes sortes de choses, de toute, 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 toute la culture de l'époque, on peut dire, hein, parce que c'est un travail au second degré, c'est un montage extraordinaire avec une, toute une combinatoire qui est assez vertigineuse, où le Fils, le Père, le Saint-Esprit se croisent, se brouillent, se, sont en antagonisme, en fait, et tout ça pour exprimer le scandale narratif, en somme, d'un dieu qui meurt. Et qui mourait encore plus, une une, en quelque sorte, une seconde fois au XIXe siècle. Quoi. Alors, se greffer là-dessus euh, les figures féminines, mmh. ce qui accroît encore le, le, le caractère euh, séduisant du fantasme, avec un Saint-Esprit qui ressemble à la Sainte Vierge, enfin des. Euh, une vierge qui ressemble au diable, enfin c'est un jeu avec le paraclet, enfin toutes sortes d'influences de lecture sans doute qui l'ont amené à monter cette fable qui me semblait assez délirante, ressemblait un peu aux fables gnostiques du, du, du second siècle après Jésus-Christ, ou bien alors à certaines spéculations de Joachim de Flore en pleine euh, sur l'Apocalypse, en plein, plein Moyen Âge. Et Blois brasse tout ça avec une maestria. Remarquable, et le, et le maîtrise d'une certaine façon, parce qu'il il il organise un, tout un système de figures qui est très, très étonnant. Depuis mon enfance, je ne me souviens pas d'avoir été sans souffrir de toutes les manières, et souvent avec un excès incroyable. Cela prouve tout simplement que Dieu m'aime beaucoup. J'ai souvent et beaucoup médité sur la souffrance. Je suis arrivé à me convaincre qu'il n'y a que cela de surnaturel ici-bas. Le reste est humain. Il y a dans tout chrétien un homme de douleur, et c'est celui-là qui est Dieu. Il y a déjà longtemps que j'ai offert le sacrifice de ma vie, de ma santé, de mon repos sur terre. Progressivement, j'étais pris, il y a dix ans, par l'aspect la, tragique de Bois, enfin douloureux, pénible, un homme mal dans sa peau qui se met à délirer euh, théologiquement, etc. Euh, sa théologie embarque tout, enfin la politique, les, ses amours, euh, sa vie familiale, tout. Donc j'avais tendance à insister sur le délire, enfin sur l'aspect fou de Blois. Euh, J'aurais eu un, un, envie, à un certain moment, de, de le psychanalyser, ce, ce qui n'a jamais été fait très sérieusement. Finalement, on dirait qu'il fait peur, hein. euh, mais j'en avais pas les moyens. Hein. Et puis je l'ai lâché. Je, Blois est un homme assez insupportable, <laughs> tellement tendu euh, qu'il en est fatigant. Quoi. Enfin, c'est un homme qui, qui met mal à l'aise qui vous fait passer par trop de contraires et de contradictions pour qu'on n'ait pas le vertige. Et je l'ai lâché et puis je l'ai repris, j'ai eu l'occasion de le reprendre sous un angle tout à fait différent avec et je crois que c'est d'ailleurs une manière de répondre à la question que vous posiez pourquoi Blois intéresse-t-il aujourd'hui et qu'est-ce qui intéresse dans Blois et les jeunes chercheurs qui se rentrent dans Blois euh, n'entrent pas par ma propre ma porte, la religieuse. Hein. Ils y entrent par la rhétorique et ils y rentrent aussi par le, tout l'aspect euh, de rire, jeu avec les clichés, euh, en particulier l'exégèse des lieux communs, les contes, enfin toute la rigolade chez Blois qui est énorme. Hein. Et alors je me suis mis à creuser la rigolade et à essayer de la faire, euh, la combiner avec la tragédie. C'est pas tellement difficile. On arrive à une sorte de farce métaphysique, alors là, très moderne, qui tire Blois vers le XXe siècle. Hein et qui en fait quelqu'un qui ressemble à Joyce, qui fait penser à Kafka, avec, et à toutes les formes de la dérision moderne. Mmh. Falika, comment s'expriment le, les violences du désespoir de Lyon Blois D'abord, il était un homme malheureux né. Il a prétendu toujours qu'il était né pour être triste, pour être malheureux. Et puis il était un violent, quelqu'un qui n'a jamais su apprécier la modération et n'a pas voulu apprécier, enfin il était ce violent de l'Évangile qui, qui veut ravir le, le, le royaume céleste. Alors évidemment c'était son agressivité qui s'expliquait comme ça. C'est comme ça finalement qu'il n'a pas pu supporter ses contemporains. Et qui leur cherchait toujours querelle parce que euh, il n'était jamais suffisamment parfait, il ne correspondait jamais à son idéal euh, de, de vrai chrétien ou tout, tout simplement de, de l'homme euh, tel qu'il se l'imaginait d'après évidemment son idéal de, de l'évangile. Qu'est-ce que vous pensez de la présence des femmes dans, dans la vie de, de Léon Blois Je crois qu'il a, qu a eu là une difficulté majeure. Euh, qu au fait qu'il n'a jamais su accepter la femme dans sa vie et enfin je ne voudrais pas la faire des des remarques inspirées trop par la psychanalyse mais enfin il y, a, il y a là une une difficulté très réelle qui fait que par exemple et il n'a jamais su présenter dans son œuvre, Et puis, bien sûr, dans sa vie, c'est finalement Marie était père de famille. Mais enfin, dans, dans son œuvre, c'est remarquable parce que toutes les relations sont plus ou moins dénaturées, je dirais. L'excès vraiment, c'est Marche Noire et Véronique dans Le désespéré, là où il, il se, se pique afin de faire d'une prostituée une sainte. Et ça, ça, finalement, ça finit par la folie. Quel est pour vous le, le livre le plus intéressant de Léon Blois que vous aimeriez, par exemple, raconter là, maintenant, tout de suite Vous savez, moi, je, je préférerais les histoires désobligeantes. Justement, ces petits récits qui condensent très bien. Et à la fois la pensée et l'imaginaire de, de, de Blois. Au fond, tout est, tout est là. Il y a, si on prend euh, le, une martyre par exemple, ou bien deux fantômes, ou bien Je casse sur le trottoir, ou, ou bien euh, Esculape nuptiale, toutes ces histoires euh, racontent en raccourci, avec des figures marquantes, importantes, tout ce qui va se retrouver dans les grands romans euh, de, de Blois. Alors, je les aime bien, ces, ces petits récits quelle est sa, sa part d'imaginaire dans, dans sa vision de, de l'absolu C'est une attente passionnée d'un bonheur qu'il qui, qui n'arrive pas à attraper dans sa vie. Enfin, il est fondamentalement malheureux. Et son attente de, de, de l'époque nouvelle, de la venue de Paraclet, et de ce bien absolu, c'est-à-dire là où il n'aura plus de doute où il pourra enfin admettre son existence et enfin, accepter telle qu'elle. Alors c'est ça, je crois que c'est très très personnel et c'est une manière de vivre, vivre euh, sa, sa propre vie, le monde, les autres. C'est ce désespoir qui lui fait euh, attendre impatiemment quelque chose qui le comblerait. Et euh, son écriture est à la, à la mesure de son désespoir Il y a ceux qu'on écorche vivant qu'on coupe en morceaux. Qu'on brûle à petit feu, qu'on crucifie, qu'on flagelle, qu'on écartèle, qu'on tenaille, qu'on empale, qu'on assomme, qu'on étrangle. En Asie, en Océanie, sans parler de notre Europe délectable, dans les forêts, dans les cavernes, dans les bagnes ou les hôpitaux du monde entier. Pierre-Glaude, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'œuvre et dans la vie de Léon Blois Blois a été pendant... Un siècle. Hein, il est mort en 1917, bon, disons un peu moins d'un siècle de critique bloyenne. Mais pendant un siècle de critique bloyenne à peu près, il a été considéré exclusivement comme un écrivain catholique, réactionnaire, valant surtout par euh, l'originalité de sa pensée, marginale. Eh bien, c'est avec cette vision passéiste. Euh, obsolète de, de Léon Blois que j'ai voulu rompre. En inversant un petit peu les, les valeurs, on s'était intéressé à Blois surtout pour l'homme, pour son témoignage, comme, comme les chrétiens parlent d'un témoignage. On s'était intéressé à son œuvre pour ses idées, la façon dont il vomissait le siècle, la façon dont il épinglait les, les vices de ses confrères ou les, les travers, la façon dont il Romper des lances avec Zola, enfin le, le crétin des Pyrénées, comme il l'appelle, bon. ou d'autres, enfin Bourget, le, la liste serait trop longue à établir. Bon, mais euh, après euh, les révolutions euh, critiques euh, que des années 60, après l'introduction du structuralisme, après euh, euh, l'attention nouvelle portée au texte, comme on dit. Eh bien, il nous a paru intéressant de revenir au texte bloyen, de laisser peut-être euh, la question de l'homme au second plan et de s'intéresser aux subtilités de son œuvre. Vous vous souviendrez, ma belle, quand les convives du festin des noces auront disparu et que vous serez seul avec votre époux. N'est-ce pas, vous vous souviendrez peut-être de cet invité mystérieux qui n'avait pas la robe nuptiale et qui fut jeté dans les ténèbres extérieures. Les pleurs et les grincements des dents du misérable étaient si forts qu'on les entendait à travers le mur et que les portes lamées de bronze tremblaient sur leurs gonds comme si une rafale puissante les eût assiégées. alors euh, reprenons Qu quels seraient les lieux communs euh, à propos de, de Léon Blois et quelles seraient au fond les transformations de l'image de Léon Blois que vous avez essayé de donner Là aussi euh, les lieux communs vous avez raison d'utiliser un pluriel car ils sont nombreux. Il y a d'abord euh, le lieu commun de l'écrivain traditionaliste ce que blois a été le jeune blois a été un écrivain traditionaliste plus exactement lorsque il vient à paris dans son adolescence très vite il fréquente des milieux qui ne sont pas du tout traditionalistes qui sont les milieux anarchistes enfin non pas anarchistes mais blanquistes l'extrême gauche disons et puis, de manière tout à fait fortuite, parce que son logement se trouve rue Rousselet, à côté de celui de Barbé Dorévy, il le rencontre dans la rue, dans des circonstances amusantes. Vous savez, Blois euh, transporte son Voltaire euh, dans une voiture à bras, il va le vendre chez un libraire, euh, parce qu'il n'a pas d'argent, naturellement, et il voit passer le connétable des lettres euh, habillé dans une tenue euh, voyante de dandy. Et Blois le suit euh, en euh, se déclarant auprès de lui, enfin lui disant qu'il souhaite le contempler. Euh, et Barbet lui dit naturellement Contemplez-moi. Et c'est le début du, du, de leur relation, d'une relation amicale et euh, formatrice pour Blois, car il y a une différence d'âge très nette entre les deux hommes. Et Barbet fait lire à Blois euh, les bons livres, comme la, la bonne presse parlait des bons livres, c'est-à-dire finalement les écrivains catholiques. Euh, traditionnalistes, euh, joseph de Mestre euh, donoso cortes euh, carlyle ceux qui restent fidèles au roi et au pape contre euh, la république euh, tous ceux que donc le, les traditionnalistes mettent en avant et blois va se former à cette école-là et il va lorsqu'il va être employé par veuillot à l'univers dans les années euh, 1874, il va d'une certaine manière pasticher Barbet. Il va pasticher le style de Barbet, mais en infléchissant sa pensée dans un sens beaucoup plus euh, euh, violent et surtout dans, en essayant de donner une image de, de, de catholique intégrale que Barbet euh, ne parvenait pas vraiment à donner. Alors, il y a ce blois-là qui existe, qui est un blois. Euh, le, qui est un, le jeune Blois, qui est un idéologue encore, qui fait du militantisme catholique. Mais euh, ce serait un lieu commun de penser que tout Blois est ainsi, car ce serait négliger sa formation ultérieure. Or, ce qui est intéressant, c'est que Blois, à travers une série d'épreuves, va finalement évoluer et que son œuvre va devenir beaucoup plus complexe que n'était sa pensée euh, en son point initial. Bon, il y a d'abord euh, dans les années euh, à la fin des années 1870, à partir de 1877 et, et jusqu'à environ 1881-82, il y a la rencontre d'une prostituée, d'une demi-prostituée, on ne sait pas très bien, une jeune femme qui s'appelle Anne-Marie Roulet qu'il va présenter dans Le Désespéré euh, sous le nom de Véronique Cheminot, celle qui s'appelle la Ventouse. Bon. Et il va vivre avec elle une aventure passionnelle, mais à la fois charnelle et mystique, dans la mesure où il va entreprendre de la convertir, où ils vont vivre dans la misère, où ils auront ensemble des extases mystiques et des visions, une série d'événements à l'occasion desquels Anne-Marie va lui révéler un secret dont on peut penser que Blois le lui a inspiré autant qu'elle le lui a déclaré. Euh, tant leurs relations pouvaient être proches et tant finalement il euh, y avait une sorte d'inutrition de la part de cette jeune femme elle se nourrissait en quelque sorte de la pensée de Blois et de tout ce qu'il pouvait lui dire et de ce qu'il lui faisait découvrir des écritures en même temps tout cela transcendait par l'amour qu'il se portait. Bon. Et cette expérience euh, mystique et passionnelle fait voler en éclat, euh, parce qu'elle n'est pas du tout conforme à ce qu'il attendait, fait voler en éclat sa pensée religieuse, le, le carcan un peu étroit de sa pensée religieuse. Hein. Comment imaginer enfin, qu'un qu bon catholique traditionnaliste séduise une prostituée et vive avec elle ses aventures où ils découvrent ensemble. Tout cela, évidemment, dans le bain apocalyptique de la fin de siècle, une certaine conception du christianisme qui est très largement hétérodoxe. En tout cas, dans certains développements, paraissent monstrueux au regard de l'orthodoxie. Alors, ça, c'est une première épreuve hein, qui va brouiller un petit peu la lisibilité de la pensée euh, de Blois. Mais l'issue de cette aventure est. Euh, extrêmement triste, puisque la jeune femme est enfermée à Sainte-Anne, euh, sa raison vacille, elle devient folle et Blois est accablé de, de cette issue. Et euh, c'est justement à ce moment-là qu'il entre en littérature. Après avoir vécu cette expérience passionnelle, qu'il va entrer véritablement en littérature, qu'il va publier ses premières œuvres. La spiritualité désorbitée de Léon Blois, tout entière orientée vers l'attente, de la catastrophe, qui doit tout expliquer, tout consommer à la fin des fins, se vit pour lui de manière obsessionnelle, dans la vérité de la retraite. Bernard Sarrazin. Je crois que le Blois, euh, complètement désorbité euh, des années du désespéré, hein. ce qui va curieusement et paradoxalement avec une, plus, de plus, une maîtrise littéraire déjà très très grande, hein. car d'une certaine façon, on l'a dit souvent, Blois... Qui se met à écrire assez tardivement, hein, autour de 30-40 ans, euh, le, euh, écrit en tout cas son roman à 41 ans, enfin, c'est son roman euh, le, qui, qui le fait connaître, désespéré. Hein. Alors, le, ce, le premier blois est un blois quand même très très noir, très désorbité, qui cherche l'espérance dans le désespoir le plus nihiliste, etc. Hein. Une retraite dans ces conditions devait être pas particulièrement euh, dramatique. Sans doute, c'est ce qui a dû faire peur aux, aux bons pères qui l'ont reçu et qui lui ont dit Mon garçon, mais, vous n'êtes pas fait pour, pour la vocation, vous ne pourrez pas vivre dans cette tension continuellement. Et, bon, ceci dit, toute la vie de Blois a été une retraite et une retraite de plus en plus assumée. On a l'impression qu'il s'enferme dans une espèce de tour d'ivoire de la littérature où il a une maîtrise du langage qui vient combler son déséquilibre, tous les déséquilibres et toutes les contradictions. Ouais. Alors cette retraite-là a quelque chose de paisible, je crois. Richard Griffiths, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'œuvre de, de Léon Blois Et Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vers la fin du XIXe siècle, il y avait un nombre de convertis qui ont fait de la, de la littérature religieuse une vraie littérature. Il y a par exemple Joris Carl Huysmans, il y a Léon Blois, etc. Et puis dans la deuxième génération, on pourrait dire il y a Claudel, il y a Peggy, il y a etc. Mais en même temps, ils, ils ont fait une littérature, le roman, le théâtre euh, catholique. Euh, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est que ces intellectuels, ces littérateurs, quand même, allaient à rebours. Du courant de l'Église catholique à l'époque, c'est-à-dire que c'était des traditionnels, des gens qui ne voulaient pas, même en étant des intellectuels, ils ne voulaient pas l'intellectualisation de la religion qu'on voyait à l'époque. Euh, ils, ils étaient tout ce qu'il y a de plus contre le modernisme, le catholicisme social, du point de vue politique. Euh, ils se tournaient en arrière vers euh, euh, une religion un peu imaginaire, une religion médiévale, une religion idéale, etc. Mais en même temps, cela a produit une littérature tout à fait extraordinaire, euh, des, des romans d'une de, grande envergure, euh, et dans le cas de Blois, euh, une polémique, une manière de... de pour moi, Blois, c'est un des grands exaspérés de la fin du XIXe siècle, comme du point de vue socialiste, etc., anarchiste, un homme comme Georges Darien. Alors, euh, du côté religieux, il y a Léon Blois. Il est exaspéré par quoi, en fait Par tout, la médiocrité de la vie autour de lui, la médiocrité, euh, surtout la médiocrité de, de la société laïque de son époque, mais, mais en même temps la médiocrité de l'Église. Il, il s'insurgeait contre tout ce qu'il y avait de sentimental dans la religion, de la prêche qu'il écoutait le dimanche, euh, l'exaspérait parce que, à vrai dire, pour lui, euh, euh, tout était. C'est un peu comme euh, du côté laïque un Baudelaire qui qui voulait euh, échapper à la société autour de lui vers un idéal en quelque sorte. Alors voilà, c'est un peu. Euh, un exemple religieux, du même sentiment d'être, comme, comme dit Baudelaire, enterré sous un tas de morts en voulant en sortir. malheureux au-delà de ce qui peut s'exprimer et se comprendre. Je suis blessé dans ma foi, dans mon espérance et dans mon amour. Aujourd'hui lundi, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas communié et je n'ai pas articulé une prière. Je n'ai pu trouver en moi que le ressentiment le plus amer et le plus féroce contre un Dieu si dur et si ingrat. J'ai tout donné depuis longtemps. J'ai offert dans presque toutes mes prières mon corps et mon âme aux plus épouvantables, aux plus infernales tortures, à condition qu'il se ferait, lui, ce qu'il a dit qu'il voulait être, c'est-à-dire mon serviteur. J'ai accompli avec le secours de sa grâce, sans doute, mais... Au prix de souffrances que vous ne connaissez pas et dont le souvenir seul me déchire, j'ai accompli en deux ans une œuvre inouïe de patience, une œuvre telle que personne ne voudrait croire qu'un homme dénué de tout ait osé seulement l'entreprendre. Et cette œuvre était uniquement à la gloire de Dieu. Eh bien, en récompense, tout m'est refusé. J'aurais honte de traiter un chien galeux comme Dieu me traite. Vous êtes professeur à l'université de Tel Aviv. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'œuvre de, de, de Léon Blois J'ai fait une petite découverte. Euh, C'est qu'il euh, y avait eu euh, une rencontre tout à fait extraordinaire. Rencontre d'ailleurs pas, il n'y a pas il a eu de face-à-face, -face, une rencontre par l'écrit euh, avec Bernard Lazare. C'était tout à fait inattendu. Bernard Lazare, euh, le juif, euh, philosophe spinoziste, athée. Euh, socialiste, euh, que sais je, tout ce qu'il y avait pour l'opposer évidemment aux catholiques véhéments mais précisément cette véhémence, cette passion pour la vérité, euh, cette euh, soif de justice absolument euh, radicale il y avait dans le radicalisme de, euh, de Blois une réponse dans le radicalisme de, de Bernard Lazare, qui était entier qu'il soit à un moment donné anarchiste, symboliste, euh, socialiste, que sais-je, pour être enfin euh, celui que tout le monde connaît qui est le défenseur de Dreyfus. Mais à l'époque dont je me suis occupée, cette rencontre est en 92, c'est-à-dire peu de temps avant l'affaire Dreyfus. Et à ce moment-là, euh, Bernard Lazare est à la croisée des chemins. Et il découvre les journalistes surtout. Et euh, il euh, découvre ce livre extraordinaire qui est Le Salut par les Juifs. Et il écrit un article tout à fait stupéfiant qui porte le titre Un philosémite. Or, on sait que Le Salut par les Juifs, euh, qui euh, déverse euh, un torrent d'injures épouvantables sur le peuple d'Israël, pour ensuite. Euh, l'exalter d'une façon tout aussi extraordinaire, encore plus extraordinaire. Et Bernard Lazare a compris qu'il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour Léon Blois, comme pour lui, qui était la vénération du pauvre. Et quand il a eu dit cela, évidemment, pour Léon Blois, il était, comme il a dit, le seul homme qui ait compris ce que j'avais à dire. Naturellement, il avait euh, déjà fréquenté les milieux littéraires dans l'ombre de Barbet, dont il a été, avec Georges Landry et Victor Lalotte, une sorte de secrétaire. Hein, il faisait du travail de copie pour Barbet. Grâce à Barbet, il a rencontré un certain nombre d'écrivains euh, à la fin des années euh, 1860 et euh, pendant le début des années 1870. Et à cette époque-là, Blois jouait encore son personnage de catholique euh, intégral, il jouait même un personnage de convertisseur. Mais euh, cette première expérience du milieu littéraire est sensiblement différente de la seconde, celle des années 1880, le moment où Blois sortant de son isolement, l'isolement dans lequel il a été pendant la vie qu'il a menée avec Véronique. Or, dans les années 1880, enfin juste après euh, la, la disparition, l'enfermement plus exactement de Véronique, Blois va, par son cousin, Émile Goudot, fréquenter euh, le cercle des hydropathes. Ou plus exactement, il va entrer comme rédacteur euh, bénévole, hein, sans, sans le moindre émolument, il va entrer au chat noir. Vous savez, c'est un cabaret parisien dirigé par Rodolphe Salis, le gentilhomme cabaretier, comme Blois l'appellera. Un cabaret auquel le directeur a eu l'intelligence d'annexer une revue littéraire, une revue satirique, où travaillent euh, Alphonse Allais, euh, Carandache, Villette euh, et bien d'autres. Ceux, en tout cas, que l'on a identifiés sous le nom de fumistes. Et donc, euh, le but de ces écrivains, c'est finalement de prendre à rebrousse poil, prendre à rebours tous les lieux communs, toutes les valeurs, euh, toutes les croyances qui constituent la doxa bourgeoise, et euh, d'en rire, car il n'y a rien d'autre à faire. Donc, euh, Blois va fréquenter ces écrivains, et on peut naturellement s'interroger sur le devenir de sa foi dans un tel endroit où les fois sont supposées toutes vaciller. Alors, naturellement, euh, la complexité de la formation de Blois, dont je viens de retracer uniquement quelques aspects, car il y aurait bien d'autres choses à évoquer, mais deux aspects essentiels, hein, cette aventure avec Véronique, et puis euh, cette, cette période où il fréquente la jeunesse littéraire du chat noir. Eh bien, ces deux moments vont avoir un rôle formateur sur l'esprit de Blois, mais aussi sur sa manière d'écrire, sur sa conception de la littérature, sur son esthétique. Ce n'est pas un hasard s'il est un des premiers découvreurs de s'il euh, Si l'un des premiers articles euh, euh, fondamentaux, enfin de fond, qui reconnaissent l'œuvre de amant pour ce qu'elle est, euh, s'appelle Le Cabanon de Prométhée et, euh, et de Blois, et date de cette période. Euh, Blois, donc, euh, dans cette période, euh, un, adhère plus ou moins à une esthétique nouvelle, difficile à définir, mais dont la stratification est telle enfin, euh, qu'elle ne correspond en rien à l'image que l'on a voulu donner d'un écrivain catholique, traditionaliste, euh, dogmatique, un doctrinaire. Blois est tout sauf un doctrinaire, puisque sa manière d'écrire, justement. Euh, se nourrit de toutes sortes de doctrines, est pénétré d'une connaissance de l'écriture en particulier et euh, inspiré par euh, la foi d'un homme, mais prend en compte aussi toutes les interrogations de la sensibilité de cette époque et euh, débouche sur une écriture indéfinissable, complexe, ambivalente, euh, qui fait toute la saveur de Blois aujourd'hui. sarrasin, essayons de, de, de passer de la vision biblique, par exemple, aux trois femmes qu'il a rencontrées, et qui sont véritablement des, des personnages habités. Pour ce qui est des femmes. Pour ce qui est des femmes... Non, pour ce qui est des femmes, pour ce qui est aussi des déménagements, il y en a beaucoup, au moins d'une oui. trentaine. Alors, de femmes et déménagements, c'est un peu le même... Euh... Il a été moins volage que, que changeant d'appartement. <laughs> hein il est... Il y a quelques, enfin il y a quand même pas mal de lieux. En effet, je ne crois pas que c'est des mêmes ordres. Hein. Le logement pour lui, c'était ou bien une cage ou bien une prison, hein. c'était en tout cas un lieu où il ne tient pas en place, hein. où il n'est jamais chez lui, qu'il l'ait loué ou qu'il l'ait acheté. Mm. Euh, et donc, au bout d'un certain temps, il faut qu'il quitte. Quoi. Et il se dit d'ailleurs le. le, le je ne sais plus, il a une très jolie formule. Je suis du marquisat de moi-même. Enfin, C'est-à-dire, je, je n'ai pas de terre. Mes terres, c'est moi. Quoi. Et il se promène avec ses terres. C'est horrible pour lui. Il n'aime pas voyager. Hein, parce qu'on sait qu'il il avait horreur des vacances. Et il y a des pages désopilantes sur sa villégiature au bord de la mer où il fuit, le, il fuit ses voyages, les voyages qui lui font peur. Mais il est, il est continuellement en exil. C'est sûr. Il faut tout voir symboliquement chez Blois. Hein. C'est-à-dire qu'il confond très facilement sa propre histoire avec celle de Dieu, hein. avec celle de, de tous les hommes d'ailleurs, de n'importe qui. Hein. Donc on est toujours en analogie avec et c'est toujours la même histoire qui se raconte. C'est pour ça que la Bible est si intéressante, puisque la, la clé devrait y être. Hein. Euh, pour ce qui est da, donc de les, des, des femmes, il euh, y a toute. Euh, Enfin, partons de, 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 de la biographie. Hein. Dans la biographie, il y a, a d'abord euh, Anne-Marie Roulet et Véronique, hein, la Véronique du désespéré, qui a beaucoup compté dans sa vie, c'est sûr, puisque c'est le moment d'un grand délire amoureux et mystique, où il euh, coupe les ponts, on peut dire, avec son passé de ça, relativement sage, hein, pour entrer dans une aventure toute personnelle. Hein. Il va désormais être seul, quoi. Enfin, de... Alors, il y a Anne-Marie Roulet, il y a Berthe Dumont qui a moins compté, qui est une espèce de, de redoublement, de... mais qui, qui a d'autant moins compté qu'elle est un personnage assez euh, triste, pitoyable, mais qu'elle n'a pas joué le rôle théologique, si j'ose dire, que semble avoir, si on écoutait euh, Blois dans son désespéré, euh, que semble avoir joué euh, Anne-Marie Roulet. Anne-Marie Roulet, qui aurait été une sorte de voyante, de visionnaire. Hein. En réalité, vous disiez des femmes habitées. Je crois qu'elles sont toujours habitées par Léon Blois. Hein. C'est Blois, semble-t-il, qui a soufflé toutes sortes de choses qui lui sont revenues en, en boomerang hein, dans la figure, parce que c'était des choses extrêmement violentes, une sorte de message crypté qui lui donnait une mission sur Terre, une histoire complètement folle. Hein. Euh, il faut le dire, quoi. Il a été interné 20 ans. Elle a été internée, c'est elle qui a été internée. C'est un peu comme pour l'histoire de Nadja et de Breton. Le littérateur au contact de la folie et de l'aventure féminine, c'est un peu la même aventure, enfin, toute proportion gardée. C'est elle qui a été internée et c'est lui qui a fait de la littérature avec, la, la, avec les, les figures folles qu'elle lui a suggérées. Et où il entrait, enfin, c'est un vrai fantasme avec la, la mise en scène du moi. Enfin, il était dans cette aventure théologique qui est le, le fameux secret qu'il n'a jamais donné. Et on ne sait pas très bien s'il le connaissait lui-même, enfin. Qu'est-ce hein, qu que vous entendez au, au mot secret Il ah ben, y a un secret que Blois, à euh, tous les coins de page, annonce qu'il n'est pas ce qu'on croit, ou qu'il ne peut pas le dire, ou qu'il avec ses amis en particulier. Il y a un jeu de cache-cache qui fait que, ou alors euh, Blois dit, « Allez, regarder à telle page, vous, avez, vous, vous trouverez mon secret. » Elle est, est complètement anodine, n'importe n'apporte aucun, aucun éclairage. Et donc, toute sa vie, on a tourné autour d'une espèce de case vide. Hein, mais il y, y a quand même un secret. Blois hein, pensait jouer un rôle, une mission théologique sur Terre, euh, fort importante. Bon, la troisième femme, c'est encore trois dates. J'ai dit un mot, mais je n'ai pas grand-chose à dire de Berthe Dumont. Et quant à la troisième, elle compte énormément, en effet. C'est l'épouse. C'est l'épouse qui va être euh, au pied de cet homme qui a demandé beaucoup de sollicitude, de soins d'entourage. Hein. La femme de Blois, euh, a Jeanne Blois, a fini par écrire à la place de son mari dans le journal et a signé elle-même certaines lettres. Hein. C'est un fait que les femmes ont beaucoup compté dans la vie de Blois avant et après qu'il s'est soit rangé. Quoi. Et que la dernière... La, le est présentée souvent comme euh, de, vraiment une, une forte femme, de très très grande qualité, mais en même temps une, avec une poigne considérable. Au point qu'on a dit qu'elle avait, certains ont dit qu'elle avait, euh, non pas éteint, on éteint Pablois, mais euh, qu'elle l'avait canalisé, qu avait, ce qui n'est pas évident du tout. Quoi, enfin, Je suis triste naturellement, comme on est petit ou comme on est blond. Je suis né triste, profondément, horriblement triste. Et si je suis possédé du désir le plus violent de la joie, c'est en vertu de la loi mystérieuse qui attire les contraires. Je me rappelle qu'étant un enfant, un tout petit garçon, j'ai souvent refusé avec indignation, avec révolte, de prendre part à des jeux, à des plaisirs dont l'idée seule m'enivrait de joie, parce que je trouvais plus noble de souffrir et de me faire souffrir moi-même en y renonçant. J'aimais instinctivement le malheur. Je voulais être malheureux. Ce mot seul de malheur me transportait d'enthousiasme. À sa fiancée, 21 novembre 1889. Comment vous apparaît le personnage équivoque On ne peut pas dire univoque à propos de Léon Blois. Donc équivoque. Oui. Euh, effectivement, Blois est un personnage équivoque. Vous, vous dites très justement les choses. Mais euh, ce qui est le plus amusant, c'est que d'abord, Blois a voulu camper un personnage qui est apparu, à tort ou à raison, très univoque, tout d'un bloc, tout d'une pièce. On peut dire que, que Blois, euh, plus ou moins volontairement, a campé à travers sa, sa, son, sa première œuvre forte, sa, sa première œuvre capitale, je veux parler de son premier roman, Le Désespéré, qui, qui, est, qui paraît en 1887. Il a créé un personnage dont il a toujours dit qu'il était très largement autobiographique, même s'il a toujours pris soin de garder ses distances par rapport à lui en disant que son existence n'y était que transposée et partiellement réutilisée. Mais enfin, personne ne s'y est trompé, et Blois lui-même a joué de cette duplicité. Il a donc campé un personnage à travers Cain Marche Noir, le héros du désespéré. Et comme ce roman a fait scandale, essentiellement parce que Blois, inspiré très largement par Huysmans, qui à l'époque était sans doute l'un des hommes les plus proches de lui, y a réglé ses comptes avec toute la littérature du siècle. Enfin de mots passants euh, à Bourget, euh, en passant par les gloires du théâtre, euh, euh, comme euh, Félicien Champsor euh, ou d'autres, il a véritablement, en des termes d'une violence inouïe, cloué au pilori, euh, l'institution littéraire dans son ensemble. Toutes les gloires de son temps, il les a insultées. Et euh, c'est à la suite d'ailleurs de la publication de son roman qu'a commencé ce qu'on appelait, euh, ou ce qu'il a lui même appelé la conspiration du silence, c'est-à-dire cette consigne donnée par certains journalistes de ne jamais parler de Blois, en bien ou en mal. La meilleure arme pour tuer un écrivain étant naturellement le silence. Et Blois, dans un premier temps, s'est sans doute fort bien accommodé de ce personnage. De, d puisque puisqu'il donnera ce nom, le Pâle, à une petite revue éphémère qui ne comportera que, que quelques numéros et dont il sera l'auteur. Blois se plaira à jouer l'entrepreneur le, de démolition, comme il dira, vous savez, dans le, le premier recueil d'articles qu'on lui doit, hein, les propos d'un entrepreneur de démolition. L'enthousiasme est un dieu dans le cœur. Et quand le cœur en est rempli, il est irrésistiblement porté en haut de la vie et en haut du monde, infiniment au-dessus de tout ce qu'il aime, de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il juge, dans l'empiré de son propre rêve intérieurement réalisé. C'est le mouvement sublime par lequel les sentiments enveloppés et sommeillants dans l'âme humaine éclatent soudainement dans la vie morale et retentissent dans tous les actes extérieurs de la vie physique. C'est une lampe ardente placée physiologiquement et psychologiquement au-dessous de la pensée, comme au-dessous d'un vase plein d'un liquide glacé, et qui l'échauffe, le purifie, le colore et le subtilise, sans jamais parvenir à le consumer. Ce personnage du pamphlétaire catholique, euh, euh, qui s'enflamme pour la vérité, qui est déjà d'une certaine manière un pèlerin de l'absolu, et euh, qui est sans concession, il se plaira à le camper et euh, à le jouer auprès des autres. Mais ce qui est intéressant, d'une part, c'est que bientôt ce personnage lui paraîtra étroit, et que dans tous les cas, c'est un personnage. Je veux dire qu'il ne faut pas s'y laisser prendre. D'abord, euh, Blois se sentira à l'étroit. Je veux dire par là qu'à partir du moment où Blois sera un homme marié, où il commencera à connaître dans son existence une relative stabilité, où progressivement il renoncera sans doute aux illusions apocalyptiques, à cette attente de la parousie qui l'avait conduit à parfois à s'engager dans des impasses et à souffrir au plus profond de lui-même. Eh bien, je crois qu'il y aura une sorte de sagesse progressive de l'homme blois. L'homme qui écrit que la foi, c'est la connaissance de notre limite, euh, n'est pas le même que celui qui cherchait justement à connaître le secret de Dieu et à connaître euh, le sens de la fin à travers son apocalyptisme. Ce qui étonne lorsqu'on lit la biographie, c'est l'importance de la charité. Il vit, il vit de la charité. Si on le prend par le, le petit bout, enfin qui n'est pas un si petit bout, on pense au bazar de charité, mmh. et puis à cette place du... du des, enfin je pense tout de suite aux images, euh, au feu, au, au feu essentiellement, au feu qui est mieux que le sang. <laughs> qui est donc mieux que c'est le règne du Saint-Esprit, c'est le troisième, c'est le bon. Et qui est à la fois terrifiant et, et illuminant. Quoi. Mais il y a en effet il y a ce problème de la charité, au sens de faire la charité, hein, sur lequel il a beaucoup joué, et je pense qu'il euh, il est. Très difficile à traiter parce que c'est son mode de privilégié de provocation de la société, hein. c'est de tendre la main continuellement. Hein. Et à ce, ce, comme tout est symbolique, l'homme doit tendre la main. Ça, c'est la qualité de l'homme. Napoléon a tendu la main. Tout le monde est un misérable qui tend la main qui tend pour obtenir la gloire, euh, etc. Et lui tend toujours la main, et il tend la main alors de la façon la plus sordide, pour avoir de l'argent. Et il fait comme un mendiant, il fait une espèce de chantage à la charité, avec ses amis, c'est à la limite de l'odieux. Maintenant que les, 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 les bouches s'ouvrent un peu, on a une certaine liberté, il y avait certains tabous. Et il faut bien reconnaître que dans notre société, l'attitude de mendiant, de blois, euh, surtout de mendiants désobligeants, hein, de mendiants qui n'avaient pas la moindre reconnaissance, qui, qui estimaient qu'il n'avaient pas à avoir de reconnaissance et qui le disait hautement et clairement, euh, à quelque chose d'absolument scandaleux. Hein. Pour l'éclairer, moi je, je proposerais assez volontiers la comparaison avec un personnage de la littérature yiddish mmh. et de la société yiddish enfin d'Europe de, 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 de centrale. C'est tout à fait par hasard. Je suis tombé sur cette figure du schnorreur, mm. qui est un personnage justement de mendiant sacré, mm. qui en, 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 en compensation de la petite somme qu'il reçoit, hein, euh, prie Dieu pour vous et vous empêche d'être damné. Hein. Et ah ben, ça permet un chantage formidable. Hein. Le... C'est une figure qui ressemble beaucoup à celle de Blois. Il a pratiqué ça avec ses amis, beaucoup, et sans la moindre vergogne. Hein. Et je dis vergogne parce qu'aujourd'hui, dans une société désacralisée, ça choque, hein. ça choque très très fort. Hein. C'est une bonne manière d'entrer dans le scandale de Blois, je crois, et de voir ce, son aspect systématiquement et de façon très construite, anachronique. Quoi. Derrière ça, évidemment, il y a toute une foi religieuse, toute, un, toute une philosophie du don en particulier. Hein. Et du, du, du don total, enfin d un, d un rêve d'absolu du don mmh. qui qui, est, qui va très très loin hein, et qui souffre de ne pas pouvoir se réaliser dans le réel quoi, et en particulier dans notre réel à nous aujourd'hui mmh. dans une société marchande, hein, d'où cette espèce de conflit. Enfin. Weber, qu'affiche, qu'est-ce qui vous intéresse dans le cas et dans le personnage de, de Léon Blois Peut-être que finalement, mon intérêt est d'abord paradoxal pour la raison que je viens de, de Suisse, que je viens de Genève, que Blois n'a pas cessé d'injurier les Genevois dans lesquels il voit traditionnellement, enfin, sans, sans originalité, des, des banquiers, des cercueils blanchis, c'est-à-dire des hypocrites, ou surtout des, des, des gens à taper. Car il, il a eu beaucoup d'amis genevois qui l'ont aidé, enfin beaucoup, c'est un grand mot, quelques amis genevois qui l'ont aidé à vivre. Et, avec qui il a gardé des relations plus stables qu'avec beaucoup de ses amis français puisqu'on le sait systématiquement loin se brouiller avec tout le monde. Alors moi, je ne me suis pas encore brouillée avec lui, mais ça pourrait bien arriver parce que j'ai travaillé sur les histoires des obligeantes. J'étais à La Rochelle, où il y a un grand fond de, de lettres, de, de choses concernant sa vie privée. Et en lisant tout, toutes ces lettres, je me suis dit que vraiment, Blois avait un caractère très difficile. Et je me suis demandé au fond si j'allais rester longtemps dans ces parages, parce que son caractère quand même influe sur l'effet qu'il fait à son lecteur. Bon, vous parlez surtout du, du personnage et du caractère, mais enfin, essayons de parler quand même de, de, de l'écrivain. Que, que reste-t-il de Léon Blois pour vous aujourd'hui Qu'est-ce qui fait de l'intérêt de Blois euh, par rapport à notre société Évidemment, euh, c'est ça qui m'intéresse chez lui, parce qu'autrement, il y a longtemps que j'aurais tourné les talons. Alors, euh, par rapport à notre société, je pense que euh, Blois est l'un de ceux qui, peut, euh, qui a pu peut-être nous préparer, si on l'avait lu, il nous aurait préparé à comprendre euh, euh, la... Le mal comme puissance spirituelle, ce que Malraux a dit dans son oraison funèbre, je crois, pour Jean Moulin, à euh, nous faire comprendre ce qui allait, ce qui allait arriver au XXe siècle. Et nous qui avons passé quand même une partie de ce 20e, horrible XXe 20e siècle, eh bien, je pense que ça peut nous aider à, à, ne, à ne pas faire la toilette de l'histoire, à ne pas oublier et à peut-être situer de, certaines choses. Que, que pensez-vous d'un écrivain qui affirme qu'il n'écrit que pour Dieu Ah, mais ben on pourrait lui renvoyer la, sa balle et lui dire qu'il est un sépulcre blanchi. Alors, Léon Blouet est surtout un observateur des catastrophes. Alors, quel est son rapport à, aux choses de, de l'ordre de la catastrophe c'est vrai que les catastrophes l'ont toujours sollicité. Par exemple, le, le, le tremblement de terre de Lisbonne, pour lui, c'est encore euh, présent dans je ne sais plus laquelle de ses comparaisons. Euh, il a vécu dans, dans une ambiance de catastrophe. Il attendait d'ailleurs la catastrophe finale, la fin du monde. Et, et bizarrement, c'est bien peut-être le seul homme qui a été déçu que cette fin du monde n'ait pas encore eu lieu. Comment pourriez-vous raconter le désespéré alors on ne peut pas résumer les, les livres de Blois et c'est Kundera qui disait que le grand art du romancier actuellement, c'est d'écrire des histoires qui ne soient pas racontables. Alors je crois que vraiment ça n'est pas racontable. Euh, les histoires désobligeantes par exemple, sont des variations toujours sur la même chose, mais vous ne pouvez pas les raconter et bizarrement vous ne pouvez même pas les, méta, les, les mémoriser parce que ce sont des variations, ce sont toujours les mêmes histoires qui reviennent avec des décalages, des, des, des changements du, du noir au blanc euh, ou, ou parfois des demi-changements et tout ça se confond. Dans, dans l'esprit du lecteur. Et ce qu'il y a de, de plus fascinant, c'est que même la signification, vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. C'est quand même l'écrivain de grandes formules du genre pèlerin de l'absolu. Il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire des, des formules quand même ex, terriblement expressionnistes ou excessives. Et comment est-ce que vous les, les ressentez, vous, aujourd'hui, en tant que lecteur contemporain alors c'est vrai, ce côté expressionniste que vous avez euh, relevé, c'est tout à fait juste. Et finalement, il peut faire le même effet qu'Edouard qu Munch ou euh, que de grands peintres. Enfin, on peut penser au cri de, de Munch. Et, ce, qui me, ce qui me bouleverse, c'est qu'il arrive à rendre euh, justement des choses qui ne sont plus de l'ordre de la parole dans la souffrance, comme justement le cri euh, ou une, une souffrance. Euh, qui devient quasiment d'ordre physiologique. Par exemple, dans *Sur de sang*, des récits sur la guerre de, de 70, eh bien, il n'abandonne pas ces personnages euh, une fois que la guerre est terminée. Euh, en quoi il est au fond assez proche euh, d'Henri Dunant avec les fameux sou souvenirs de Solferino, qui suit euh, les soldats jusqu'à la mort dans les hôpitaux crasseux. Alors Blois ne les abandonne pas, et euh, on, on a une, euh, un ressenti de la souffrance euh, euh, physique et physiologique euh, qui est qui est tout à fait extraordinaire dans la littérature et qui est au fond tabou. Et sûr de sang, euh, c'est vraiment euh, le sang, la sueur et aussi l'expression vulgaire on les fera suer le sang. Léon Blois cherche dans son temps les, les signes de l'apocalypse, les signes de la catastrophe. En fait, pour en faire quoi par rapport à, à sa propre souffrance alors cette, cette recherche des signes, c'est évidemment quelque chose de lancinant chez lui, de, de déroutant pour le lecteur qui voudrait justement pas voir ces signes, et qui le rapproche de Kafka, euh, dont d'ailleurs euh, il a eu euh, des expressions, euh, par exemple le mot vermine, vous le trouvez chez Blois en même temps que chez Kafka, ou euh, colonie pénitentiaire, vous le trouvez aussi. Alors ces signes, euh, c -c je pense que Blois a été comblé par la, la deuxième guerre mondiale. sur cette planète maudite, condamnée à ne germiner que des épines, s'accomplissait en soixante siècles pour la race déchue, l'épouvantable dérision du progrès dans le renouveau sempiternel des itératives préfigurations de la catastrophe qui doit tout expliquer et tout consommer à la fin des fins. Les anges devaient avoir eu peur et pitié de ce spectacle, sur lequel on avait sujet de redouter que ne tombât jamais le rideau d'une pudeur divine. Les générations humaines toujours dévorées au banquet des forts, sur tous les continents, où les enfants de Nemrod avaient étendu leur nappe, et le pauvre, dont c'est l'étonnant destin de représenter Dieu même, le pauvre, toujours vaincu, bafoué, souffleté, violé, maudit, coupé en morceaux, mais ne mourant pas, roulé du pied sous la table comme une ordure d'Asie en Afrique et de l'Europe sur le monde entier, sans qu'une seule heure lui fût accordée pour se désaltérer à ses propres larmes et pour racler les croûtes de son sang. C'est vrai que c'est un homme de l'absolu, on l'a dit beaucoup, hein. mais c'est un homme de l'absolu dans les relatifs hein, et qui vit dans le relatif. Et des histoires de fric eu une place dans le journal, c'est phénoménal. C'est son sens. Quand on aura le journal inédit, on le verra. On ne parle que de fric au sens le, plus, le, le moins spirituel qui soit, si vous voulez. Mais l'absolu est là à côté et ça, ça fait des étincelles. Essayons hein. si de, de, de plus clair c'est quoi l'absolu, à la fois en général et en ce qui concerne Léon Blois mais ce sont les valeurs chrétiennes, mais poussées... Enfin, ce sont les, les valeurs, quelles qu'elles soient, à la limite, poussées jusqu'au bout, hein, à l'extrême. Le refus du relatif. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Mm. Euh, je crois que l'absolu la, s'explique par le relatif, et le relatif par l'absolu. Et dans une société qui, qui rationalise tout, qui a découvert la relativité, qui la relation, la relativité, l'absolu, ben, c'est l'unique, c'est la singularité. Ce sont toutes sortes de choses qui sont difficiles à avaler dans une pensée, c'est une pensée en contradiction avec la pensée euh, scientifique moderne, si vous voulez. Mm. Qui est, la science est fondamentalement un, un langage du relatif. Mm. Et Blois tient un langage absolu, c'est ça qui fascine les gens d'ailleurs, je pense. C'est le caractère complètement exotique de ce langage, enfin, qui, qui crée un trou dans le langage, en quelque sorte. Mm. Si du moins on pouvait se persuader que le temps n'existe pas, qu'il n'y a aucune différence entre une minute et plusieurs heures, entre un jour et trois cents jours, et qu'on est ainsi de plein pied partout. Ce qui fait tant souffrir, c'est la limite toujours succédant à la limite. Donc euh, Blois tout d'une pièce, décidément non. Et euh, le vieux Blois euh, donne une image euh, apaisée de l'homme euh, engagé dans des tribulations passionnelles et mystiques intenses euh, des années 1880. Il y a une évolution, un apaisement, euh, et en même temps, il y a euh, un changement dans l'écriture qui est assez sensible. Mais ce qui est peut-être le plus important encore, c'est que la duplicité de Blois va demeurer jusqu'au bout. Car même s'il rompra avec le, le personnage de plume, constitué à l'époque du désespéré, même s'il voudra mettre à mort Marche Noire, hein, dont il célèbre l'enterrement dans l'épigraphe de la femme pauvre, son deuxième roman qui paraît en 1897. Eh bien, euh, dans tous les cas, il demeurera malgré tout un personnage. Et ceci est sensible dans son journal. Et en particulier si l'on compare ce que l'on est en train de faire, son journal inédit et son journal publié. Lorsque Blois a commencé de publier son journal, euh, c'est-à-dire plus exactement lorsqu'il a commencé de l'écrire et un peu plus tard de le publier, puisque les, les, les premiers volumes du, du journal datent de 1892, on a cru qu'il se livrait à nu, qu'il mettait son cœur à nu dans ce journal, qu'on arrivait à découvrir l'homme intime à travers euh, les notations quotidiennes de ses réflexions, souvent aphoristiques, de ses rencontres, de ses méditations, ce journal consignant en outre des lettres, des articles, c'est donc, donc à la fois apparemment l'histoire d'une pensée, l'histoire d'une vie, le tout entremêlé. Or, euh, nous sommes en train d'éditer le journal inédit de Blois à l'âge d'homme. C'est un projet euh, très long puisque il y a à peu près trois fois plus de volumes du journal inédit que du, du journal publié. Or, le journal publié représente déjà, euh, dans l'édition des œuvres complètes, quatre volumes, et si l'on compte par titre, huit volumes. Donc, vous voyez, c'est considérable. Alors, euh, si l'on compare ces deux journaux, on, on s'aperçoit que Blois a d'abord écrit au jour le jour ce journal qui est resté inédit. Et a procédé ensuite, et c'est ça qui est passionnant, à un travail de réécriture. Et cette réécriture a consisté pour lui surtout à camper véritablement un personnage et à se représenter sous un jour, peut-être pour la postérité, mais un, un jour qui n'est qui est euh, une illusion, enfin qui est plein d'artifices. Il a voulu peut-être constituer sa légende et l'écrire lui-même, ou nous renvoyer à l'énigme d'une personnalité complexe, nous renvoyer à l'un de ces pièges qu'il affectionne, puisqu'il est l'un de ceux qui pratiquent le mieux en cette fin de siècle avec Villiers la désobligeance, ce que l'on pourrait appeler l'esthétique de la cruauté, hein, qui va courir de Flaubert, euh, puisque finalement c'est Flaubert sans doute qui, l'un des premiers, inaugure cette esthétique de la cruauté. Cruauté à l'égard de qui mais à l'égard des Benet, à l'égard de M. Prudhomme, à l'égard euh, du bourgeois, disons. Euh, Flaubert l'inaugure avec euh, le dictionnaire des idées reçues. L'autre et Hamon la poursuit avec les chants de Maldoror. Euh, Villiers et ses contes cruels, euh, avec la figure ridicule, grotesque de Tribula Bonnommé, Blois avec ses histoires désobligeantes la pérennise. Et elle court de cette façon jusqu'à Artaud et même au-delà, jusqu'à Bataille et quelques autres. pèlerin de l absolu, comme Léon Blois se nomme lui-même, cherche le devenir humain dans une sorte de purgatoire qui engendrerait même la figure d'un dieu absent, Jean-Claude Paulet. Alors, le purgatoire de Léon Blois, c'est évidemment d'abord le purgatoire de l'église catholique, le purgatoire de la doctrine du 19e siècle, c'est-à-dire le lieu dont on a dit avec Jacques Le Goff qu'il était né vers la fin du 12 et qui s'est développé peu à peu pour devenir le troisième lieu de l'au-delà, c'est-à-dire celui par lequel tout le monde passe et dans lequel effectivement personne ne trépasse éternellement puisqu'on en sort nécessairement. Alors, en réalité, le, le purgatoire de Blois, c'est celui-là, mais c'est aussi, et c'est sans doute c'est ce que j'ai essayé du moins de démontrer, euh, le cadre herméneutique et le cadre allégorique de la femme pauvre, ce qu'on appelle généralement son second roman, mais qui n'est pas proprement un roman, dans la mesure où chez Blois, il n'y a pas de roman véritablement. C'est plutôt euh, une espèce d'histoire qu'il raconte, un récit qu'il met en scène et qui est en quelque sorte comme la progression de l'ensemble du monde, de la création donc et de toutes les âmes, à travers un monde où le visible et l'invisible sont étroitement conjoints et dont on sort finalement pour arriver au paradis. Mais c'est une sortie qui ne se fait pas, qui ne se fait pas dans l'œuvre et qui ne se fait pas non plus dans l'esprit de loi dans la mesure où il y a... Ce qu'on pourrait appeler une espèce d'ombre finale ou une espèce de pénombre espérée dans laquelle effectivement son imagination se complète dans une certaine mesure, ou en tout cas de laquelle son imagination ne peut pas sortir. Alors disons qu'il y aurait par exemple deux souffrances, euh, la souffrance autobiographique et la souffrance littéraire. Alors quel pont voyez-vous entre l'autobiographie et l'œuvre proprement dite de Léon Blois mais la souffrance autobiographique, c'est sans doute la plus connue évidemment la souffrance de la pauvreté qu'il a expérimentée tout au long de sa vie. Mais c'est peut-être plus anciennement la souffrance de quelqu'un qui ne trouve pas sa voie. Blois a beaucoup hésité. Il a beaucoup hésité non seulement sur le plan esthétique, puisqu'il a tenté une carrière, sinon une carrière au moins, une vocation de dessinateur, de peintre même peut-être. Il a tâté aussi de la littérature assez rapidement, mais sans, sans trop savoir exactement quelle était, quelle était sa manière. On peut même remarquer, sur le plan strictement littéraire, un certain nombre d'essais loyens, un certain nombre de tentatives, pour ne pas dire un certain nombre de pastiches et mélanges. Et c'est Barbet d'Orville qui lui dira ⁇ Vous êtes un, un profus, il faut que vous lisiez Voltaire, et il faut par conséquent que vous ayez de la rigueur et de la sobriété. Alors sur ce plan-là, je pense qu'il y a une certaine souffrance, dans la mesure où Blois aura toute sa vie beaucoup de difficultés à écrire. ⁇ ça paraît étonnant, dans la mesure où on souligne généralement son style allègre, son style plein de verve, mais c'est un homme pour qui l'écriture est toujours pénible, et il vivra d'ailleurs cette souffrance d'écrire comme une espèce de seconde nature, à tel point qu'on ne peut pas dire que, entre sa pauvreté réelle, entre sa difficulté d'être et sa difficulté d'écrire, il y ait vraiment de différence. Euh, J'en suis quelquefois venu à me demander si euh, sa plainte sur euh, l'argent, sa plainte euh, sur le verbe n'était pas finalement la même chose. Dans la mesure où, chez lui d'ailleurs, euh, ce symbolisme est fondé. Pour lui, la parole et l'argent, c'est la même chose, la parole et l'argent, c'est ce dont il manque, c'est ce dont il manque absolument qu'il attend avec impatience et qui est pour d'un côté qui est pour lui le verbe, le verbe de Dieu finalement, c'est-à-dire le sauveur, le rédempteur et l'autre côté l'argent qu'il appelle d'ailleurs en espérant une délivrance. Alors entre le salut d'un côté et la délivrance de l'autre, le lexique me paraît extrêmement proche pour ne pas dire qu'il y a vraiment synonymie. Le fond du paradis ou de l'idée de paradis, c'est l'union à Dieu dès la vie présente, c'est-à-dire la détresse infinie du cœur de l'homme, et l'union à Dieu dans la vie future, c'est-à-dire la béatitude. Le mode en est infiniment inconnu et indevinable, mais on peut, jusqu'à un certain point, contenter l'esprit par l'hypothèse fort plausible d'une ascension éternelle, ascension sans fin dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. le meilleur exemple d'esthétique de la cruauté, ce sont ces histoires désobligeantes. Euh, ce qui est intéressant dans ces histoires désobligeantes, c'est qu'elles se pré présentent comme des témoignages. c'est-à-dire que vous avez affaire à un narrateur qui dit en somme j'y étais, je l'ai vu, ce personnage-là je l'ai rencontré. alors vous vous dites naturellement c'est une histoire vraie, c'est une anecdote que je vais découvrir. Par exemple, dans, dans l'histoire qui s'appelle Les captifs de Longjumeau, Blois parle des époux fourmis. Des époux fourmis qui habitent Longjumeau, qui vivent heureux, mais qui, par une malédiction incroyable, ont voulu quitter euh, Longjumeau par le train, ont essayé de le prendre un nombre invraisemblable de fois et n'y sont jamais parvenus. Enfin, C'est l'histoire absurde de personnes qui essaient sans cesse de prendre le train et qui, chaque fois, pour des raisons diverses, ratent le train et finissent par rester captifs à long jumeau. Bon, alors évidemment, c'est une histoire qui est présentée comme une histoire vraie, mais qui, à la lecture, relève de ce que l'on appellerait aujourd'hui l'histoire drôle, c'est-à-dire une de ces histoires qu'on se raconte pour rire, mais auxquelles on ne croit pas un instant. Alors, il y a effectivement l'hésitation entre ces deux niveaux de lecture. Est-ce que c'est le témoignage de quelqu'un qui a assisté à une réalité un peu piquante ou bien est-ce que c'est un canular et est-ce qu'on nous prend pour un des imbéciles? Mais il y a un troisième niveau de lecture, qui est le niveau spirituel. Et si le diable s'en mêlait? Car finalement, s'ils sont restés captifs à long jumeau, c'est par une décision euh, cruelle et, et euh, inquiétante euh, du diable, disons. Alors vous voyez, il y a ces trois niveaux de lecture. Le, le, celui qui va nous faire pleurer, et il y a un bois effectivement que l'on peut tirer, que certains tirent encore actuellement du côté des larmes. C'est le blois emphatique, le blois sérieux, euh, le blois de la salette, euh, le blois dévot. Bon. Puis, il y a le blois euh, qui fait semblant, celui qui nous dit euh, telle est la réalité. Il ne faut pas se laisser prendre à ce piège-là. C'est celui des faux semblants. C'est celui de... qui se délecte à nous prendre à une lecture naïve de son œuvre. Et puis, il y a le blois qui fait rire. C'est celui qu'on est en train de réhabiliter, car on a trop insisté, à mon avis, jusqu'à présent sur les larmes bloyennes. Alors je crois que bleu, le vrai Blois, si l'on peut dire, si cette expression un peu absurde a un sens, n'est ni d'un côté ni de l'autre, mais est dans le jeu de l'ensemble. Les romans de Léon Blanc ne sont pas de véritables romans. Hein. Dans Le Désespéré comme dans La Femme Pauvre, la structure euh, du roman naturalisme est volontairement cassée hein, pour faire quelque chose d'ailleurs qui est très moderne, qui est bourré de poèmes, de citations, de, de longues références parfois à des mystiques, de pages entières qui sont citées, de morceaux d'histoire, euh, de grandes histoires, de, de toutes sortes de choses. Hein. Enfin, une espèce de, de potlatch, enfin très, très, très moderne. Alors, les deux romans qui se complètent d'une certaine manière, il n'y a que deux romans, enfin, finalement, dans l'œuvre de Blois, hein, qui est ces faux romans dont je parlais tout à l'heure, euh, qui racontent quand même une histoire, et qui racontent donc à la fois l'histoire de l'humanité et l'histoire de Dieu, hein, et l'histoire de Blois. Hein. Euh, Raconte comment Marche Noire se révolte en face d'un euh, monde qui a refusé Dieu. Hein, se euh, révolte de façon tellement ni, nihiliste qu'il se perd lui-même en Dieu, enfin, dans un premier temps, hein. et c'est ce, le révolté noir, en quelque sorte. Il va ressusciter dans la femme pauvre sous le visage de Léopold, hein, qui, lui, euh, dans une sorte d'aventure mystique, va beaucoup plus loin et va se perdre en Dieu. Il sera. Il dans un geste d'amour, puisqu'il se plongera pour aller sauver quelqu'un dans l'incendie de l'Opéra. Hmm. Euh, L'un et l'autre rencontreront euh, une femme qui les guidera, hein. mais euh, alors que le, le désespéré est vraiment l'histoire de Blois sous sa forme la plus noire, L'histoire de la femme pauvre débouche sur une espèce de, de, de sérénité d'attente, d'ouverture à un je ne sais quoi, comme si Blois acceptait que Dieu ne donne pas tout de suite la clé. Quoi. Mmh. On reste sur une ouverture, l'œuvre de Blois s'ouvre, et je crois que c'est ça, c'est très très important. Hein. Alors que le, 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 la littérature a été pour lui un moyen de construire une espèce de, de machine à rêver. Mmh. À pleurer et à rire aussi, parce que je crois qu'il y a les deux. Dans les... Il s'ingénie à montrer le caractère à la fois farcesque et dramatique de l'histoire de humaine mmh. vers quelque chose que personne ne peut dire. Et il fabrique de l'indécidable. Et le progrès littéraire de Blois, c'est d'être passé justement de la simple contradiction du refus du monde, enfin on, on insiste beaucoup sur l'homme qui dit non à tout, à son siècle, à tout Eiffel, aux hommes, etc. Et à une espèce d'attente euh, et, et d'ouverture relativement sereine, enfin dans euh, un jeu, une combinatoire des signes d'un monde euh, à venir. Il a, il a découvert dans la littérature l'espérance. Une vie, une œuvre, Léon Blois, avec Pierre Glaude, Université de Grenoble, Bernard Sarrazin, Université de Paris, Antoinette weber kafflich, Université de Genève, Jean-Claude Pollet, Université de Namur, Richard Griffiths, King College de Londres, Christina Falica, Université de Lublin. Denise Goyten-Galperine, Université de Jérusalem. Texte lu par Michel Derville. Équipe de réalisation. Mireille Gauthier. Jean-Claude Gauthier. Annie Flavel. Le fond de ma pensée est que dans ce monde en chute, toute joie éclate dans l'ordre naturel et toute douleur dans l'ordre divin.